Hey, hey, hey! Salut et bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Aujourd'hui est un grand jour, car aujourd'hui nous allons avoir des enfants. Ça, oui, c'est comme ça se voit pas, mais là, aujourd'hui les enfants vont naître des jumelles, je l'espère, parce que sinon c'est pas incroyable. Non, quand même. Donc voilà. Nous avons Frida qui a grandi, qui est devenue une petite bambine, une petite bambinasse. Eh ben écoute mon coco, tu vas faire ton petit pépé et tu vas servir le petit déj. Toast avec des œufs. Miam 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 miam. Puisque tu es levée très tôt dans la matinée, Cybèle elle est encore à dormir. Puis après ce sera bébé. Donc ouais, Frida est une bambinette. Et on a aussi 3000 simflouz de factures à payer qu'on n'a pas. On n'a pas les 3000 simflouz. Donc, bon. Il faut qu'on se débrouille. Hein, faut qu'on y arrive. Faut qu'on vende des choses. Ah bah tiens, t'as récupéré un truc, toi. Hop. Ça. Oh, 75. Allez. On n'a pas de sous, donc on vend tout. Voilà, est-ce que toi tu as un truc à vendre aussi? Tu as des magnifiques dessins de quand tu étais petite, voilà. On pourrait revendre ça, mais... Ah si, quand même, un Simflouz. Ah bah, attends. Nous, on revend tout, hein, il n'y a pas de raison. Du coup, tu vas vendre aussi tes devoirs, toi. Voilà. Nous, comme ça, on grappille. On n'y est pas encore, hein, parce qu'il nous faut... 3074 Simflouz, en a 2636. Bon, c'est pas grave. On va les trouver. Parce que dès que lui, il a fini de manger, ben on va partir faire le tour du quartier, récupérer tous les trucs à creuser et compagnie. Ça va le faire, ça va le faire. J'ai confiance. Voilà. Le petit Louis s'est mis au boulot. Il creuse, il trouve des trucs... qu'on va revendre pour payer les factures. Alors quand même 3000, c'est un peu beaucoup. Et le chat il est en train de dormir à l'aise comme ça. 3000 c'est un peu beaucoup quand même. Il va vraiment falloir qu'on trim pour gagner de la thune. Hein. Et y compris Cybèle pour tout ce qui est de manger. Enfin de manger, n'importe quoi. De bouquins. Voilà. Pas de manger, de bouquins. Voilà. Louis il est toujours malade. Attends, je l'ai fait dormir, c'est chiant. On n'a pas les sous pour te faire payer un médicament, mon gars. Donc, Ah non, il m'a encore annulé tout, mais j'en ai marre. Oh, c'est pas possible, ça. En plus, c'est pas comme si j'avais fait tout le tour du terrain et tout, déjà programmé à l'avance, quoi, gars. Tu es chien, hein, moi je te le dis, hein, franchement, tu mérites des claques. Et c'est qu'il devait arriver à vous 24 heures pour payer vos factures. Et hop, une capsule, ok. Un petit chat. On veut t'adopter. Tu veux te faire adopter? On peut pas les adopter comme ça, c'est bizarre. Bon. Tu vas vite rentrer à la maison, Cybèle, parce que... Oh, la petite, elle dort... Ah bah non, elle dort plus. Hey, à la fin. L'attaque du bambin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a reçu des sous, mais on sait pas de quel livre, est-ce que ça bug. Bon, Cybèle, tu reviens vite. Tu vas aux toilettes et tu vas refaire un livre de poésie. J'espère que ça ne pourra... nous rentabiliser très fort. Bon, lui aussi, je lui ai demandé de rentrer. Je vais lui faire prendre un bain. Un bain. Parce que comme il est fiévreux, tout ça, on va lui faire prendre un bain et je vais l'envoyer dormir. Ça pourrait lui faire du bien pour, voilà, pour se remettre. Pendant ce temps-là, on va vendre tout ce qu'il a récolté. Alors, pyrite... Ça, ok, bon, c'est pas grand chose. Le poisson. Ça, on vend tout. Hop. Ça, on vend tout aussi. Hop.
Oui, on peut payer les factures. Yes, cool. Ah, c'est au moins ça. C'est au moins ça de fait. Du coup, tu vas les payer avec ton téléphone. Bon, il y en a une, elle a carrément. Elle a pas dû. Oh, est-ce qu'elle doit pisser? Eh ben oui, elle va bientôt accoucher, c'est vrai. C'est vrai. Le bébé arrive. Eh, le bébé arrive, le bébé arrive. Ah! Tu vas remanger une fraise, s'il te plaît. Non, on va voir chez Percanou. On va chez personne. Ça y est! Ça y est! Bébé! Ah, je vous jure. Je veux des jumelles. Je veux des jumelles. Voilà, hein? Oh là là, je suis en stress, vous n'imaginez même pas. J'ai les prénoms sous les yeux. Allez! Allez! C'est une fille! Et alors, elle va s'appeler. J'ai le choix entre Garance, Goudroune et Gersande. Ça me fait rire. Eh ben, non, ce sera Garance, parce que c'est plus joli quand même. Parce que, à la limite, Goudroune, ça me faisait rire. Mais là, Garance, c'est joli. Yes! Yes! C'est une fille, c'est des jumelles. Ouais! Alors, j'ai le choix donc toujours entre Goudroune et Gersande, ou alors on passe à la lettre suivante. Allez, je vais passer à la lettre suivante parce que je l'aime bien ce prénom, c'est Heidi. Comme un dessin animé très vieux, je me semble, je sais plus. On en a deux! Des jumeaux! Des jumelles! Alors, il est où l'autre berceau? Tac. Ah, ils l'ont mis en haut. D'accord. C'est Heidi. C'est Heidi. Et regardez, il y en a une plus foncée que l'autre. Bon, allez, hop. Il y en a une qui fait déjà chier son monde. À peine sortie du ventre, qu'elle est en train de, hein, de hurler, de faire caca. C'est pas sympa. Mais par contre, je vais déménager Heidi. Je vais la mettre. Alors, par contre, ouais, dans la chambre là, ça risque d'être un peu tendax. Mettre dans le couloir. En même temps, j'ai pas d'autre place. Ouais, je peux mettre là. D'accord, bah, je vais la mettre là. On va la mettre dans le couloir. C'est très bien. Voilà. Hein? Puisque de toute façon, on va pas les mettre en haut. C'est pas encore le temps. Par contre, il faudra évidemment acheter un autre lit dans pas très longtemps. Ah, tu vas l'allaiter, tu vas la bercer. Parce qu'en fait, j'ose pas les mettre dans la chambre parce que dès qu'ils vont brailler, ça va réveiller les parents et tout, donc ça va être chiant. Enfin les jumelles! Enfin! Donc ils ont trois enfants maintenant. La question est, est-ce qu'on continue à en faire? Je vais attendre de voir ce que vont donner Bambin. Et on verra. De toute façon, c'est dans pas très longtemps, parce que ça va très très vite. Voir la tête qu'elles auront en tant que bambins. Et puis on verra. Parce que c'est vrai que c'était beaucoup de faire 5 enfants avec la première génération. Donc voilà, je suis pas trop pour recommencer. Parce que c'était long, surtout que Enguerrand, il a mis vachement de temps à grandir et tout. C'était très très long. Et que là, on a attendu un petit peu avant de faire des enfants. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Je prends bien charmeur qui ne discute pas. Mais non, Fifi, elle est où? Elle est là. Eh non, allez, tu vois, maman, elle va te parler. Elle, vas-y, elle va t'apprendre à parler. Oh, et puis, il y a tout qui est pas. Hop. Ça nous va faire des sous. Maintenant, on est 6, hein. Ça fait des sous. Pour la poubelle magique, c'est cool. Voilà. Et s'il faut s'occuper des jumelles, et ben ce sera papa qui va s'y coller. Parce que quand même. Hop, la dernière assiette. Ah oui, et puis il faut qu'il paye les factures d'ailleurs. Alors, comment tu lui apprends à parler à ta fille? Puis on va aller te faire un peu de faire de sport, ma si belle, parce que t'as un peu beaucoup pris quand même. Faut pas déconner. Alors, au saut du lit. Louis nous paye les factures. Ou pas? C'est quoi la blague? Paye les factures, mon gars.
Quoi? Tu peux pas aller aux toilettes? Tu te fous de moi, y a rien qui va en fait, tu fais pas ce qu'il faut. T'as une vie compliquée quand même, hein. Ça y est! Bon, il nous reste pas grand-chose. Il est encore fiévreux! Oh! Va manger. Pourquoi on a 30 Simfoul... Ah! Elle a fait les... Elle a acheté un truc, d'accord. Ok! Si dans ce cas-là, toi... Non, non, mais tu vois, tu vas faire un bouquin. Tu vas te dépêcher plus vite que ça, reprendre l'écriture poémique. Allez. Est-ce que tu peux écrire un nouveau truc vu que t'es concentré? Non. Bon, bah, tu continues. Quoi? Tu as quoi? T'es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, t'étais en panique préparentale! Préparentale. Punaise, à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai dit de la merde. Préparentale, oui, c'est ça. Ah, ça y est. Il y en a une, c'est Heidi qui s'est réveillée. Voilà. Allez. Laisse tomber, tu vas finir la cuisine après. Allez. Oh là là, c'est dégueulasse en plus. Tu lui changes la couche. Ça. Oh, parce qu'elle fait peur quand même. Bon, ma petite, tu sais ce que tu fais? Tu vas prendre des restes. Ah bah non. Non. Ça l'a pas validé. Tu vas caresser, tu vas parler avec Coco. Tu vas te demander qu'est-ce que c'est. Apprends-moi à danser s'il te plaît. Oh, ce chou, hocher de la tête en rythme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà, on est bien. Oh, bah du coup, t'aurais pu finir de faire à ce que tu faisais, passionné de ton nom dans la famille. Mais oui, merci, merci. Soit tu vas reprendre chips et sauces mexicaines, bah oui, puis tu vas nettoyer. Allez, tu es notre homme de ménage, petit Louis. Cette fois, c'est papa qui s'y colle pour lui apprendre le pot. Oh putain, mais il est toujours fiévreux, c'est chiant. Bon, moi, désobéissant, bah ouais. Merci, on sait. Ah si, c'était un de ses flirts. Alors, comme ça, tu lui fais apprendre le pot. Comme c'est une fois qu'elle saura faire, on sera tranquille. Et puis surtout, après, tu vas aller repêcher, mon gars, parce que. Parce que t'as cumulé deux grenouilles et que ça pourrait être un sympathique. Hop. De voir ce que tu vas pêcher avec. Compétence 5 d'écriture pour Cybelle. Oh, c'est cool. On va avoir de plus en plus de bons bouquins à vendre. Et donc de bons bouquins à récolter les sous. Bon, moi, on est tranquille pour l'instant pour au niveau des factures. J'ai vraiment eu peur qu'on n'y arrive pas. Donc moi c'est parti. Allez, Cybelle a fini son livre. C'est une bonne nouvelle. Tu vas de suite... Ah, vendre un éditeur. Cool. Ça veut dire qu'on va avoir des revenus un peu plus hauts. Et ça, c'est super. Tu pourras enchaîner après avec à manger. Les petites, pour l'instant, ça va. On va faire un truc à la fois parce que comme lui, il va aller pêcher. Il sera plus là, il sera pas à la maison. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux faire toi? T'as encore mis à côté, c'est bien. Enfin, c'est pas bien, mais c'est bien. Tu vas jouer un peu au cube. Et puis tu pourras toujours te demander qu'est-ce que c'est tout. Et puis voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. On lui fait un peu travailler. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon de les petites actions avec les chiens quand même. Qu'est-ce que t'as besoin d'être dans la chambre pour jouer, d'accord. Elle est en train de faire ces trucs là. On a marre des cubes, d'accord. Lui, il pêche, tout va bien. Ah, tu veux pas jouer avec Coco? Faire un câlin, Coco, vas-y. Et embrasser. Voilà. C'est trop mignon! Et encore un bébé qui pleure. C'est Garance qui pleure. C'est que Garance pour l'instant, donc ça va. Ok. Monsieur n'a plus d'appât. Il n'y en a plus de grenouilles. Bah écoute, je sais pas, t'as pêché quand même des choses. Un bar. Et une perche. Ah, la perche, je pense pas qu'on l'avait. Attends.
Ouais, il est toujours fiévreux. Non, tu sais pas ce que je voulais faire. Tu peux regarder, examiner l'eau. Peut-être que ça a changé. Est-ce qu'on a toujours besoin de grenouilles pour pêcher ou pas? Et est-ce que la grenouille, elle a pas repoussé dans le coin là? Il y a des chats partout. Des friands d'amphibiens, bah ouais, si, encore. Bah tiens, tu vas revenir à la maison et tu vas recreuser sur le chemin. Attendez, il doit faire tout ça pour revenir là, d'accord. Pour rentrer à la maison. Non, mais du coup. Ah, si, c'est ça que je voulais faire. Hop, tu vas creuser là. Comme c'est encore nouveau, hein, le quartier, je le connais pas très très bien. Donc pour choper tous les trucs là, c'est un peu la galère. Non, voilà, ça va. Ça a repoussé ici. Tu vas venir jusqu'ici, hein. Là, il n'y a pas la grenouille. Ok. Et par contre, ici. Non, c'est toujours pas ce que je voulais faire. C'est examiner l'eau que je voulais faire. Comme ça, on saura ce qu'il faudra pour la prochaine fois. Alors, j'ai envoyé Cybelle faire un peu de sport parce que, hein, elle est quand même un peu rondelette, hein. Elle l'a toujours été, mais là, quand même, trois grossesses, enfin deux grossesses plus tard et trois enfants, c'est un peu huge, hein. Donc, voilà. Elle est énergisée, elle va courir un petit peu, retrouver un peu sa ligne de jeune fille, même si elle a toujours été un peu ronde. Sait-on jamais, ça peut toujours faire du bien. Et ça fait toujours du bien au moral, ça c'est sûr. Bon, c'est déjà bientôt l'anniversaire des jumelles. J'adore ce let's play parce que ça va à une vitesse dingue. On avance vachement vite et ça c'est cool. Autant des fois c'est chiant parce que justement c'est trop rapide, on a le temps de rien faire. Mais vraiment, non, je trouve ça bien aussi, quoi, on avance bien, surtout que c'est un challenge avec beaucoup de... Comment ça s'appelle? De la génétique, donc c'est juste ça qui nous intéresse, c'est pas réussir les défis de... des aspirations, ou d'argent et tout, donc... Non, c'est plutôt pas mal. J'apprécie pas mal. Alors, elle est encore en train de courir, bah, quand tu rentres, tu pourras manger. Est-ce que tu as fondu? Non. Ah, si je pouvais adopter tous les chats de la Terre, je le ferais. Hein. Et dans les Sims, c'est pareil. Hein. Si je pouvais adopter tous les chats Sims dans la de tous les jeux, ce serait bien. Mais bon, on peut pas. Mon papa, tu vas lire une histoire à Frida pour qu'elle s'endorme? Ah bah trop tard. Ouais, parce que là, elle est crevée, quoi, la petite. C'est bientôt l'anniversaire de Louis. Oh non! Des chats? Oh là. On a le temps de rien! On a le temps de rien. Bah, tiens, tu vas dire un truc à ta femme. Offrir une rose. Complimenter. Bah oui, regardez, ça, je crois que c'est la première fois qu'on voit cette tenue. Ouais, elle est quand même bien un petit peu fat, hein. Ça, on va pas se le cacher. Hein. Vas-y, si tu peux l'enlacer. Et papa, tu vas aller te coucher ta fille. Ta première. Tu vas lire une histoire pour s'endormir comme ça. C'est un truc que je fais habituellement pas, mais bon. Comme ça. Ça ne peut pas tuer. Ah, et Garance s'est réveillée. Bon, d'accord. Alors, après vous faites un petit bisou les machins, truc mûche. Garance, elle pue du cul. Donc, pouf, pouf, pouf. Est-ce que tu vas pas la nourrir en même temps? Comme ça, on a la paix. Et elle aussi. Ça, c'est fait. Voilà, toi, t'es très enjôleuse, c'est parfait.
Arrête de faire ta belle gosse. Oh putain, mais c'est hyper violent, quoi. La mort de la chienne. Oh, mais j'arrête. En plus, je dis, ouais, c'est bien, ça passe vite et tout, mais non, quoi. Eh, c'est la petite qui assiste. Oh, elle assiste à la mort de Coco. Non, mais franchement. Va te coucher, Frida. Papa, occupe-toi de Frida, parce que. J'aime pas quand les animaux meurent. À la limite, c'est les Sims, je m'en fous. C'est comme dans les films. Et quand c'est les humains, je m'en fous, mais il faut pas toucher aux animaux, quoi. Les animaux, moi, ça me fend le cœur tout le temps, quoi. Vraiment. Oh non! Oh non! La tristesse infinie. Bon, bah voilà, on n'aura même pas eu le temps de. Franchement. Voilà. Bon, bah on va le mettre dans l'inventaire de Cybèle. Je pense que je vais faire un mémorial sous la maison. On va faire genre une cave et tout. Et on va mettre tous les tombes de ceux qui ont précédé, quoi. Faudrait que je retrouve celle de Gunther. Elle est peut-être dans l'inventaire de ma famille. Hein. Je pense que c'est le cas, mais au cas où, on sait pas. Je préfère. Bon. Non, tu vas faire un peu gringue à ta femme. Voilà. Et vous allez faire un petit crac-crac. Des familles. Non, si belle! Oh, t'es chier! Viens là! Je suis d'une tristesse là, j'ai même pas envie. En fait, j'ai même pas envie de leur faire faire crac-crac quoi. C'est juste parce que. Quoi. Tiens, vous devenez les meilleurs amis. Moi, c'est fait. Oh là là, j'ai eu peur! J'ai encore une musique comme ça, moi, ça me. Non, quoi. Ouais, la mort, salut. Voilà. Allez, vous faites crac-crac. Moi, je range les pattes. Je ferme. Enfin, j'éteins là. Oh là là. Bon, on s'en fiche. On va réadopter juste après dans l'épisode prochain. Puis c'est tout. Me suis kiffé. Va. Ben, sous ce crac-crac de Louis. Et si belle, je regarde la mort en fait qui s'en va. Et cette mort d'une tristesse infinie de Coco. Notre chienne si particulière, si intelligente. Et c'est avec un look aussi assez particulier qu'on n'a jamais réussi à se faire reproduire. Eh bien, moi là-dessus, je vais vous quitter pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit message. Ça me fait toujours très 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 plaisir. Allez, salut.